Salut à tous, ici Missanzen pour le dixième, le bon dixième épisode de Half-Life. On va se retrouver du coup aujourd'hui encore. Waouh, c'est des sacrés vides ces trucs. Ok, on se retrouve aujourd'hui encore pour une petite vidéo de 20 minutes. Et on n'a plus qu'à trouver quoi faire. Oui, d'accord. Je viens d'alimenter ces deux blocs lumineux qui permettaient de former un laser, c'était cela. Et l'idée c'est que pour passer ce mur, comme ils nous disent de ne pas obstruer le laser shield, parce que il n'y a que ça qui peut bloquer le laser, et ben nous, on va désobéir, on va obstruer le laser shield. Comme ça, quand on va faire le test, le laser shield va pas se passer, mais il n'y a pas de système de sécurité qui permet de dire de pas tirer quand le shield il se met pas. Donc du coup, on va mettre un trou là-dedans. On va sauvegarder. Et... Ouah ! On va charger. Ah oui, non, d'accord. En fait, j'avais vraiment pas de HP déjà de base. Mais on peut quand même faire des efforts pour pas se faire trop de dégâts, je pense, si. Hop. Hop. Aïe. Ni fracture mineure, c'est toi la mineure que je vais fracturer. Vas-y. Allez hop, on ouvre ça. Ok. Ok, c'est parti, on a... Putain, tu m'as fait flipper, bro. Ok. C'est ça, reste discret comme une ombre. Ok. Ok. Alors, où allons-nous? Ah, il disait de l'emmener à la porte de sortie du labo. D'accord, là, j'étais en train de remonter. Ok, parfait. Donc, on va aller à la porte de sortie du labo. Qui se trouve sans doute par là. Ok, ici, il y avait l'affrontement entre les Grunt Aliens et le commando. C'est là-haut ou pas? T'es là, tu me follow. Ok, ok. Vas-y, follow-moi. Très bien, je vais vous laisser sortir. Je vous préviens. Une fois dehors, vous allez souffrir. Les militaires contrôlent chaque secteur. Ils ne vous laisseront pas une seconde de répit, et je doute que vous trouviez du monde pour vous aider. Si vous arrivez vivant jusqu'au complexe Lambda, vous y trouverez le reste de l'équipe scientifique. Personnellement, je ne tiens pas à aller là-bas, mais je peux les prévenir de votre arrivée. Ok. Ah, c'est tellement bien fait. Ça m'énerve tellement les dégâts qu'ils peuvent te faire. Ah d'accord, j'ai plus de cartouches calibre 12. C'est parfait. Si je me trompe pas, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Il y en a une autre. Je sais pas où elle est, mais je l'ai entendue.
Ah putain, mais les dégâts que ça fait! Voilà. Ah ouais, ils ont pas kiffé. Allez, on y va. Oh, dites-moi qu'il y a du soin. Bon, il y a de l'armure, mais j'aurais bien aimé du soin aussi. Mais c'est bien l'armure, c'est bien. Bon. Oh ouais. Ah, ça c'est bon. Ok, c'est la merde. Mais il fait mal l'enculé! Qu'est-ce que j'ai qui fait assez de dégâts? Enfin, ça m'étonnerait que ça marche quoi. Franchement, si j'arrive à abattre un hélicoptère avec des carreaux d'arbalète, moi je m'auto-suce quoi. Ça fait mal apparemment. Bon. Allez, avec quoi je peux péter ce truc? Je vais y aller au revolver. C'est un truc que j'aurais jamais fait en temps normal. Mais je peux pas venir, je peux pas avancer tant qu'il y a cet hélico en fait. Non mais tire pas, wesh. Hey, je viens là. Oh là là. Wow. Bah écoutez, il semblerait qu'ils soient indestructibles, il me semblait que si, normalement. Il semblait qu'il était destructible cet hélico. Mais il fait le bâtard. Il fait le bâtard et moi j'ai bientôt plus de mun donc. Non, je peux pas faire mieux que ça au bout d'un moment. Oh! Bon, j'ai plus de munitions, mais ça peut passer, allez. Faut juste que je me prenne pas. Bon. J'ai pas sauvegardé, mais évidemment. Oh, évidemment. Alors, on va faire un seul test. Et ben voilà, en fait, il suffisait de charger les tirs. Oh, et accessoirement. Oh, ben voilà! Mais qu'est-ce qu'on se facilite vachement la vie! Mais c'est très bien cette arme! Allez, on sauvegarde cette fois, on fait pas la connerie. Et on récupère des munes. Voilà, là on est bien. Ensuite, faudra que je monte là-haut. Parce que monter en bas, c'est compliqué, tout le monde vous le dira. Hop.
On sauvegarde, parce qu'on aime ça la sauvegarde. On sauvegarde, on se soigne. Ce qui n'a absolument rien à voir. Et là... Et là, on apprend à viser aussi. Accessoirement, c'est un truc qui est parfois assez sympa. Ok. Alors, on profite des gens buggés aussi. Accessoirement, c'est un truc plutôt bien. Oh, comme... Il a pas kiffé le poisson. Allez, hop. On y va, on y va, on y va, on y va. On fait tourner ça. On fait tourner les serviettes. Comme des petites. Girouette! Et on va au mauvais endroit parce qu'on est un gros caca. Ouais, bah ça va, ça va, ça va. 2,4 secondes. Prends le temps de respirer, Gordon. Ok. Ok, c'est fait, on avance. Ah ok, ici aussi on peut pas passer. Ah oui, d'accord, ah oh, oui, fallait être un peu un ouf en fait pour que ça passe. D'accord. Donc en fait, faut avancer malgré tout, sinon tu te fais juste enculer par toute ta famille. Et le truc c'est que j'ai pas trop envie parce que l'enculage... Bah enfin, à la limite, quand c'est moi qui pratique ça va, mais... Mais autrement, c'est pas mon truc de ouf. Alors. Eh, mais ils en ont libéré combien des hélicos Ok, d'accord, ici c'était juste pour des soins. D'accord. Je me fais chier à buter 3 de crabes, c'est pour des soins. Non, mais. Niquez vos mères. Là, ici, il y a parfois de l'armure dans ces trucs-là. Ouais, non, il y a rien. Par contre, il y a des munitions pour le super gun laser. Ah, ça, c'est bon. On est bien. Là, on se fait plaisir. Donc là, comme le panneau nous l'indique, il y a des mines. Ouah, ça... L'hélico a décidé d'exploser les cactus. Écoute, après, si c'est son délire, ok, hein, moi je veux pas le contrarier, je veux pas le contrarier. Oh là là, je sais pas viser. GG. Ok. Lui, je l'avais déjà fragilisé à coup de... À coup de revolver, donc là c'est bon, là je prends des munitions ici aussi. Donc, on sauvegarde. Et on passe par ici pour prendre les soins et accessoirement les grenades. On sauvegarde et on s'en va! Et on revient. C'est fait de tout petit rien. Bon. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, ça. Les headcrabs, ça se cache sous terre. Là, c'est des crabes, quoi. Enfin, sous terre, sous le sable. Alors, comme l'endroit est miné, il faut un peu apprendre où sont les mines. Et ça, c'est un truc vraiment très con, je trouve. Bon, d'accord. C'est un truc que je trouve vraiment très con, parce que c'est full aléatoire, en vrai, un peu. Enfin, c'est pas aléatoire, mais je veux dire, tes chances de te prendre une mine. Enfin voilà, ça dépend un peu de ta, c'est vraiment ta chance quoi. Bon allez. Bon après, c'est un peu ça les mines aussi, hein. C'est un peu sur les coups de bol, mais.
coup de bol, ça, c'est vite dit. C'est plus un coup de pas de bol. Où elle est cette putain de mitrailleuse? Salope. Ok. C'est bon, j'ai rien d'autre à sniper d'ici. Qui contrôle quoi? Ah! Attends. Je sors mon pompe, j'arrive. Merde. Oh, mais tu... D'où tu meurs pas? T'es sérieux, gars? Toi, tu vas te prendre une flèche. In the head. Non, mais ça, sauf si tu bouges, évidemment. Oh là là. Et là, tu vas voir, je vais tirer, il va esquiver. Ah non, ça va. C'est pas trop un FDP non plus. Mais d'où tu me touches? Je te vois même pas. Vas-y, tue-moi, c'est bon, j'aime ça. Ah, ça me saoule, ça, par contre, ce genre de truc-là. Genre, déjà, si tu sais pas à l'avance qu'il est là, tu te prends forcément 50 HP dans la gueule. Et en plus, même quand tu sais qu'il est là, bah, tu te fais juste enculer, quoi. Tu te prends minimum 13. Enfin, 13, je veux dire 30. Ok. On descend. On sauvegarde. On sort le space 12. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Oh, wow, wow. Qu'est-ce que ça? Allez, mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui résistent à des coups de space 12? Désolé. Non, mais voilà, du coup, je suis mort. Mec! Tue-moi, STP! Le space 12! Ouais! 15 HP! 15 HP! Les gens qui résistent à des coups de space 12 in the head! Je me suis retrouvé un peu coincé. Oh, il a pas kiffé, le gars. Je pense que lui, le carreau d'arbalète, en termes de coup de foudre, t'as déjà vu mieux, quoi. Bon, voilà, en fait. Tout était super simple. Il suffisait d'être un FDP qui joue à l'arbalète. Oh! Non, mais t'es sérieux, là? Ah, il me laisse même pas le viser. Il est pas fair play. Bon, par contre, ce qui est pas fair play, c'est aussi les 65 dégâts que je me suis pris. Non, mais je vais me reprendre les dégâts de chute. Allez. Toi, TG. Voilà, là, ça va être mieux. Bon, c'est un peu mieux. Oh, mais le mec, il résiste à un coup de Chobit. Et en plus, après, il se prend 3 coups de... Ben voilà! C'est comme ça qu'on s'occupe d'un hélico. Enfin, quand on s'est visé en tout cas. Parce que rater un hélico, même avec une visée laser, faut le faire. Putain, mais d'où je suis à 20 HP? C'est quoi cette vieille blague? La vitesse à laquelle tu perds la totalité de tes HP dans ce jeu?
Bon. Je reste fair play. Et je ne reload pas. Je reste fair play. On y va, on y va, on y va. On let's go, Power Rangers. Hop! 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 Oui, je sais, je suis casse-couille. Oh l'enculé! Oh bah lui! Oh le coup de passe douce qui s'est pris dans la gueule! Allez, je vous fais un bisou, je vous dis à demain les gens.